Merci à tous, riverains de la ligne LGV, ou tous les soutiens qui subissent ce vacarme. Enfin, désolé, on me coupe la parole. Alors le rassemblement aujourd'hui consiste à réunir le maximum de gens qui subissent les nuisances de la LGV. Dans le secteur, pour notre part, pour ce qui s'agit de l'association Nord-Vienne, on a à peu près 110 familles qui sont impactées par le train. Les mesures ont été faites, on n'a pas encore les résultats pour notre département. Et une chose est sûre, c'est que les chiffres feront en sorte que la moyenne sera bonne. Mais comme on le répète partout, la moyenne nous ne nous intéresse pas, c'est les crêtes. C'est les crêtes qui impactent et qui gênent les gens. Il y a 70 passages aller-retour, 35 allers, 35 retours. Et ça part de 5h du matin, ça passe chez moi en tout cas, de 5h du matin jusqu'à 1h moins le quart, suivant s'ils ont pris du retard dans la journée. En fait, on s'est aperçu que si les trains passent moins vite, et ben déjà c'est supportable. C'est juste que moi, en fait, quand j'ai acheté ma maison, je savais qu'il y avait une ligne de train qui était prévue. Donc moi, pour moi, c'était le TGV. Seulement, je ne connaissais pas la nuance, la différence entre TGV et LGV. Et LGV, en fait, la première fois que c'est passé, moi, j'ai cru qu'il y avait un avion qui passait au-dessus de la maison. Les concessionnaires nous entendront. Ensuite, construisez le mur du son. Moi, j'habite à 80 mètres à peu près de la LGV, de la ligne. Les rails se trouvent à 15 mètres. Alors, je pense que si on continue à faire des réunions entre nous, c'est bien gentil parce que ça nous permet de nous consoler, entre guillemets, mais ça ne les gêne pas. Donc il va falloir trouver d'autres mesures qui fassent en sorte qu'ils se sentent obligés de s'occuper de nous. Une moyenne. Pour qui nous prend-on ?